Hey, Roxy Stars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul. Comme vous pouvez le constater, Ambre, elle est là, mais elle n'est pas là parce qu'il y a eu le confinement. Nous sommes en quarantaine. Donc voilà. Ambre. Ah, oui, je suis là, mais je ne suis pas là parce qu'il y a le confinement, donc on est en quarantaine. D'accord, super. Bon, on s'est dit, oh putain, mes boobs. My god, je me suis déchirée dans cette vidéo. Et on s'est dit que vas-y, ça faisait archi longtemps qu'on n'avait pas filmé. Je devais faire un haul petit, ça faisait super longtemps. Donc Ambre, elle avait pas besoin d'être là nécessairement, mis à part pour l'intro et l'outro. Du coup, je me suis dit que autant la filmer maintenant, même si c'est archi bizarre. Là, on est au téléphone. Et c'est trop nul, vas-y. Et c'est archi nul. Et c'est éclaté. Franchement, c'est archi nul. Mais les gars, on n'a pas le choix en fait. Et vas-y. Vous nous demandez tous les jours des vidéos et on peut pas se mettre en danger. Voilà le résultat, le problème. Oui, restez chez vous. Et bah du coup, on filme en conférence. Ah voilà. Et ça veut dire que je pourrais pas avoir ses vêtements, je pourrais pas avoir ses essayages vu que on est en train de filmer. Moi, ouais. Et ça veut dire qu'on pourra pas faire. Ouais. Ce qu'il faut. Elle pourra pas commenter mes vêtements, elle pourra pas me vanner. Tu vois, c'est pas un haul habituel. Franchement, c'est trop triste. Genre là, je vais juste vous montrer. Après, c'est un haul de quarantaine. Voilà, all quarantaine vraiment. J'ai commandé des vêtements sur Asos, sur Pretty Little et j'ai acheté chez Monki. Mais le truc c'est que Asos, je suis jamais déçue comme d'habitude. Pretty Little, tout le temps déçue comme d'habitude. Mais vous verrez, je vais pas trop vous spoiler. Et Monki, ben voilà, pas déçue. De toute façon, j'étais en magasin, donc voilà. Et du coup, Ambre, t'as un truc à ajouter? Non, j'étais en train de faire. T'es en train de dormir? Non. En train de faire quoi? Les mimes. Mais tu peux pas savoir vu que t'es pas là. Ah. Ça c'est marrant ça. Ambre, tu restes là pendant les essayages ou ça sert à rien? Bah franchement je pense que ça sert à rien mais vas-y. Parce que quand on en aurait trop marre, je vais raccrocher. Non, du coup Ambre restera pas là pendant les essayages. Je vais vous montrer les vêtements et on se retrouve après avec Ambre, la fausse Ambre pour de trop. Voilà. On vous laisse regarder la vidéo. Alors pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai commandé chez Pretty Little. Et c'est trop bizarre de filmer tout ça, je pense que je vais me suicider. Du coup j'ai commandé 6 trucs et à chaque fois que je commande sur ce site je suis déçue. Je sais pas si c'est moi le problème ou si je sais pas mais je comprends pas parce que tout le monde aime bien. Pour commencer j'ai pris ce haut. Je voulais un petit haut genre romantique, tout ça. Donc je me suis dit vas-y je vais prendre ça. Et je l'ai pris en taille 42 parce que j'avais peur que les seins ils soient trop petits. J'aime pas quand ça fait des petits seins en haut après il y a ton sein en bas tu vois. Donc je l'ai pris en taille 42 mais en fait le truc c'est qu'il baille. Genre il taille pas bien et après ici il est trop grand ça. Genre je dois le rentrer dans les bretelles derrière parce que ça tombe tout le temps. Et aussi je trouve qu'on voit trop mes seins, je pensais pas. Et j'aime pas trop qu'on voit donc ça m'énerve un peu. Sinon après la matière elle est bien. Il est mignon hein, il est mignon mais genre je serais pas très à l'aise. Je serais obligée d'être comme ça et de contrôler mes émotions pour pas partir en sucette. Donc voilà. Ensuite dans le même style j'ai pris ce top. Parce que j'avais plus trop de hauts, de nouveaux hauts, il me fallait des nouveaux hauts. C'est vraiment dans le même style avec des manches, je sais pas comment on appelle ça, des manches bouffantes, non, je sais pas. Je le trouvais grave mignon et tout, il est satiné sur le site. Mais après quand je l'ai mis, je trouve que je ressemblais à une princesse Disney, genre on dirait un costume, un déguisement. Je vais le mettre quand même hein, parce que j'ai pas lâché, j'ai pas acheté pour rien. Je déteste renvoyer les colis, ça veut dire que moi quand je commande, si je me trompe, c'est fini. Ça va, je l'aime bien. Et il taille bien par contre celui-là, il n'y a pas trop de soucis au niveau des manches, tout ça, il tombe pas et tout. Il est cool, il est cool. Je l'ai pris en taille 40. Peut-être que en fait je devrais prendre en taille 40 au lieu de forcer le 42, mais j'ai trop peur en fait que ce soit trop serré. J'aime pas être serré dans mes vêtements, donc je prends tout le temps 42, mais je pense qu'il faut que je prenne du 40 parce que celui-ci je l'ai pris en 40 et ça va. Et c'est encore en crop top, hein. Vous connaissez les petites, les longs t-shirts, flemme. Hein. Ensuite j'ai pris cette robe. La robe elle est méchante, elle est balèze à mort. Je pensais qu'elle serait mieux, genre, il y a des poids, tout ça, je voulais une petite robe champêtre, tu vois, pour l'été et tout. Mais en fait, elle est un peu trop grande, il va falloir que je la rapetisse au niveau de la longueur et que je l'attache bien, tout ça, que je fasse des stratégies parce qu'elle est un peu trop grande. Je l'ai pris en 42. Bon, ce sera bien pour faire un petit pique-nique champêtre ou une petite balade. Bon, je me balade pas trop, mais voilà, je pense que ça sera cool pour un petit pique-nique en été ou... pour aller à la plage. Hein. Encore chez Pretty Little, j'ai pris ce body. Vous voyez les bodies à la mode, là, les petits trucs. J'ai pas encore arraché les étiquettes parce que j'ai rien mis. Vous voyez les petits trucs Renaissance, tout ça, là, avec les petits anges et tout. Bah, j'ai pris ça. Mais je trouve qu'il taille pas bien. Genre, il est pas. Je sais pas si vous voyez, mais ici, il y a un élastique.
et l'élastique, genre, il fait tout gros. C'est comme s'il n'y avait pas d'élastique pour resserrer. Ça devait faire un petit style, tout ça. Mais en fait, je trouve qu'il est beaucoup trop grand. Le body, on dirait que j'ai pris du taille 50 alors que c'est du 42. Donc, je vois pas trop l'entrain commun. J'aime bien quand c'est large, mais faut pas non plus déconner, quoi. À part ça, ça va, hein. Ah oui, et aussi, je crois que si les boutons, ils se ferment pas, bah, du coup, je vois pas trop l'intérêt de faire un body parce que ça s'accroche pas. Sinon, à part ça, il est bien. Et les gars, là, depuis tout à l'heure, je me plains parce que je vous ai dit, je commence par le plus nul parce qu'il faut bien finir. Donc, je vous montre les trucs qui m'ont un peu fait chier chez Pretty Little. Mais ensuite, sur Asos, ça sera mieux. Par contre, ça, c'est Pretty Little encore. Ça, par contre, j'ai grave kiffé. Je voulais trop un truc comme ça. Quand j'étais petite, j'avais une robe chinoise. Vous voyez les robes satinées et tout ça, là. Du coup, j'ai pris un crop top. C'est un ensemble, hein. Il y a le crop top et il y a la jupe qui va avec. Et du coup, voilà, ça fait un petit ensemble. Vous savez ce que je vais faire avec ça, là? Et vous savez que cette perruque, elle me saoule, je la déteste. Bref, vous savez ce que je vais faire avec ça? Je vais prendre une perruque, ma perruque 30 pouces, je vais couper une frange devant, je vais bien attacher, je vais faire un liner, je vais mettre ça en gars. Je pense que là, je serai trop speed. J'ai pris 42. Ouais, j'ai pris 42 en haut et en bas. Les deux, ils sont un peu trop larges, mais c'est pas bien grave, c'est pas la mer à boire. Je pense que je vais mettre ça avec des petites Doc Martens et je pense que je serai vraiment speed. Ce jour-là, faudra pas trop dire mon blaze. Donc voilà, j'en ai fini avec Pretty Little. Maintenant, on va passer avec les vêtements que j'ai commandés sur Asos, la base de ma vie. Pour commencer, j'ai pris ça. C'est un trench en vinyle. Il est super méga long. Voilà. Il est, par contre, il est épais, hein, donc là, vous pourrez plus le porter. Ce sera pour l'année prochaine. Je l'ai jamais porté. D'ailleurs, il y a toujours l'étiquette parce que au moment où je pouvais le porter, bah, j'étais confinée. Je l'ai pris en taille 40, mais je trouve qu'il taille grand un peu. Si vous faites du 40, bah, prenez du 38 parce que je trouve qu'il taille un peu grand. Mais comment, il est archi beau. Et le petit bémol, c'est que c'est pas un petit, c'est un Asos normal. Donc il va falloir que, encore une fois, je diminue la taille parce qu'il m'arrive vraiment au pied. Mais je vais diminuer un tout petit peu parce que je veux vraiment qu'il soit super long. Et ouais, les petites, il faut mettre des petits trucs, il faut pas mettre des longs trucs. Non. Les gars, on met tout, on fait rien là. Et moi, je lâche rien, hein. Je mets tout, même si ça m'arrive au doigt de pied, je mets quand même. Moi, franchement, si je veux mettre une longue veste de Dark Vador, je la mets, hein. Ensuite, je vais vous montrer les pantalons que j'ai commandés parce que vous me demandez tout le temps sur Insta. D'ailleurs, allez me suivre sur Instagram, FaridaGramXO, et sur le Insta de Ambre aussi, Ambre-TBG. À chaque fois, vous me demandez, j'achète tous mes gros pantalons, ou genre, vous me dites que vous êtes petite et que vous trouvez pas de pantalons, tout ça. Donc là, je vais vous montrer 2-3 nouveaux pantalons que j'ai achetés. Pour commencer, nous avons ce balèze jean. Voilà. C'est un Asos denim, pour moi, il taille bien. Ça fait style ballon un peu, en bas, il est resserré, tout ça. Et il est très oversize. Par contre, la taille en élastique, je sais pas ce qu'il m'a pris. On dirait un peu un pantalon d'enfant, mais vas-y, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris ce gros pantalon de papa en taille 42 encore. C'est un Asos petit, il me semble. J'aimais bien la couleur, j'aimais bien le style. Il est très très gros, hein. Il est très large, mais il taille bien. Genre, la taille, elle est bien marquée, encore une fois. Il est large, mais en bas, il est resserré, donc ça va. Et j'aurais même pas besoin de le couper et tout, donc c'est trop bien. Moi, je suis pas slim du tout, hein. J'aime trop les gros pantalons. Franchement, les gros pantalons de papa, c'est ma base. Mais voilà, un balèze pantalon, on dirait un rideau. J'ai pris cette... Comment ça s'appelle, ça? Une jupe culotte. Je crois que c'est jupe culotte. C'est Asos petite. C'est en lin, du coup, ce sera pour l'été. Mais j'aime bien parce qu'il est pas transparent. À moins que c'est moi qui ai mal vu, mais je crois qu'il est pas transparent. Il taille très bien, genre c'est parfait. J'aurais pas besoin de le retoucher du tout, il m'arrive en haut des chevilles, tout ça. J'aime trop. Petit crop top, nude, beige, blanc. Ça va faire un petit style d'été, hein. Petite pochette en paille. J'ai pris ce short aussi pour l'été. Mais en fait, il était en petite et en normal. Mais sauf qu'en normal, il était grave soldé. Et en petite, il n'était pas soldé, il était plus cher. Donc moi, vous connaissez, Miskina oblige. J'ai dit, ah non, je vais prendre le normal. Et du coup, c'est parfait parce qu'en fait, il n'est pas trop court. Si j'avais pris le petit, ça veut dire qu'il serait vraiment très court, ras le cul, quoi. Donc là, c'est très très sympathique. Il y a un élastique encore. Et voilà, je l'ai pris en 42. Par contre, il est un peu grand, je trouve, hein. Tout ça, là, je vais mettre avec des crop tops. De toute façon, je mets que des crop tops. Si j'ai pris cette jupe en vinyle. Bon, j'en ai déjà, hein, mais j'en voulais une bien... comme ça là, en trapèze. Du coup, j'ai pris ça. En fait, j'ai pris en quelle taille? J'ai pris en 42. Et je trouve qu'elle est pas assez. Elle est pas assez large. Et tu vois que il y a un truc, tu vois. Donc je trouve qu'elle est pas assez large. Ça m'attriste un peu. Elle est ni assez serrée ni assez large. Donc il aurait fallu qu'elle soit soit plus serrée, soit plus large. Mais elle est ni l'un ni l'autre. Ça veut dire que faut que je maigrisse pour que ça fasse l'effet escompté. C'est pas facile.
J'aime beaucoup. Et c'est une petite aussi, je crois. Elle taille très bien, pas trop longue, pas trop courte. Perfect. Je vais la mettre avec ce haut d'ailleurs que j'ai commandé sur ASOS encore. J'ai pas fait d'essayage parce que il est un peu transparent et j'avais mis un soutien-gorge rose. Du coup, ça faisait grave chauffer. Mais de toute façon, vous allez capter. Hein, c'est un petit body col montant. Normal, hein, manche longue et tout, au calme. Je le mettrai avec la jupe rouge à lèvres rouges. Je pense que ça va me faire un petit look rocker. J'ai pris ça parce que je prends des crop tops de toutes les couleurs chez ASOS. J'ai pris en 42. Parce que j'aime bien qu'il soit bien large. Par contre, j'ai pris en 42. Mais en fait, celui-là, c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas le même que d'habitude. Le col, il est trop grand. Ça fait un bail de col bateau. Alors que moi, j'aime bien quand le col, il est serré, tu vois. Et là, je trouve qu'il est un peu grand. Mais c'est pas non plus la mer à boire. Du coup, voilà, j'ai pris ça. Il ira bien avec le petit pantalon en lin, je pense. Et même le short vert kaki. J'ai pris ce petit chemisier crop top. Ça par contre je suis déçue hein. Je sais pas ce qu'il m'a pris, c'est en 42. Il est comme sur le site hein, genre y a pas de soucis et tout, mais on dirait grave un haut de petite fille, de petite meuf et tout, du coup je suis pas très enthousiaste, mais c'est pas non plus la fin du monde quoi. Donc voilà, un petit pique-nique champêtre encore une fois, il fait beau, je mets ma petite chemisette avec ma petite jupette, voilà quoi. Ensuite, j'ai pris cette robe de tantine. Par contre, elle est archi trop grande. C'est une petite, je l'ai pris en 42. Elle est méga trop grande, mais je la trouvais trop belle. Genre, j'aime bien les robes qui sont pas cintrées, tout ça, qui sont... Elle est trop grande, je l'ai pris en 42. J'aurais dû la prendre en 40, mais c'est pas grave, elle est trop longue, tout ça, faut que je la retouche. Mais sinon, je la trouve très mignonne, très sympathique. Elle est en velours côtelé. Donc c'est très beau. C'est épais par contre, donc ce sera plus pour l'hiver. Hein. Parce que là en été, je me vois pas mettre ça, je vais avoir chaud à la mort. J'ai aussi acheté cette petite robe. C'est pas trop mon style hein, de mettre des robes comme ça. Je sais pas, j'ai voulu essayer un truc. Et bah du coup j'ai pris ça. Mais c'est pas mon style. Du coup, je sais pas comment je vais faire pour caler ça. Parce que elle est pas assez large. Du coup ça me fait, on dirait, un gros boudin genre. Il faut que je réfléchisse à une stratégie. Je pense que je vais la mettre avec une petite ceinture ou je sais pas. Parce que là, je trouve que ça va pas aussi. Ou peut-être maigrir. Hein. Maigrir, c'est une option. Hein, mais vous comme moi, on sait que je vais jamais maigrir. Parce que bon, c'est pas facile. Donc voilà. Mais après, je l'aime bien. Elle en jean. Elle en jean. C'est une petite, il me semble. Et du coup, elle est sympathique. C'est pour l'été, mais pas trop l'été, plus le printemps parce qu'elle est très très épaisse. Donc je pense que c'est mieux pour le printemps. Donc voilà, j'ai fini avec ASOS. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté chez Monki. C'est encore un pantalon. Gros pantalon de papa, comme d'hab. C'est un pantalon à carreaux, du coup. J'aime beaucoup beaucoup. Il taille très très bien. Il est juste un petit peu long, mais après c'est pas bien grave. Je peux le plier soit une fois, soit je peux le recouper. Et... vas-y, j'aime pas trop plier mes trucs, du coup je pense que je vais le couper et le recoudre, mais je le trouve trop beau, il y a des poches et tout. Ça franchement ça va passer crème, hein. Été comme hiver, il va passer grave bien. J'ai acheté ce bob que vous attendiez tous. On m'a grave posé des questions sur Insta, sur Snap, ça, oh t'as vu ton bob? Bob de Bacalive. Je sais pas si vous aimez, mais moi en tout cas je kiffe. Aïe, attendez. Putain, j'ai pas envie de mettre du make-up dessus. Donc voilà. J'ai acheté ça. Et bah, je pense que c'est tout. Hein. Oh my gosh. Et j'avais oublié, chez ASOS, j'ai aussi acheté cette paire de godasses. Hein. Bon, vous connaissez mon désamour pour les tamis parce que j'assume pas. Mais je l'ai trouvée trop belle. J'aime trop la couleur, tout ça. Regardez comment ça va bien m'aller au teint. Oh my god. Donc voilà, c'est une paire nude. Du coup, j'aime trop, j'aime trop. J'ai déjà cette paire, mais d'autres couleurs. Je voulais grave celle-là, donc je l'ai achetée. En plus, elle était soldée à très... Bon, elle était soldée aussi. C'est le premier truc qui a fait que... Bon, je crois que j'ai payé 13 euros. Hein. 13 euros, 15 euros. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si vous êtes intéressé par un truc comme ça, vous allez acheter. Je pense que la plupart des trucs, ils sont disponibles. Donc voilà. Et la paire, elle est trop belle.
Donc c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ce haul pour petite dame. Et voilà quoi. Donc voilà, je vous ai montré mon shopping. Moi je mesure 1m54. Je l'ai déjà dit 50 000 fois, mais pour pas qu'on me redemande, je vais dire je mesure 1m54. Ça veut dire que à chaque fois je dois retaper mes vêtements, je dois les retoucher, les recoudre, faire un truc pour que ça soit parfait. Vu que les autres hauls m'ont dit haul pour les grosses, après celui-là ça sera haul pour les nains. Haul pour les gros nains. Ok, super. Oh, pour gros nain, je vais réfléchir au titre hein. Mais en fait j'ai grave vanné mon shopping. On dirait que c'est quelqu'un qui m'a acheté les vêtements. Je comprends pas trop l'intrain commun. Mais vas-y au calme, vous avez capté que c'est speed. Mais il y a des soucis. Donc voilà, mais ça reste speed. Après les retouches ça sera trop speed. Du coup voilà. Faut que je regarde la caméra parce que je suis bizarre. Comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner à notre chaîne The Broke Girls avec un Z. Merci d'avoir regardé la vidéo.